Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le Honor 8 Premium. Premium pourquoi ? Parce que c'est un smartphone à double capteur. Alors, il n'est pas tout récent. C'est grâce à la boutique Gearbest que je l'ai eu. Alors, ce modèle est sorti en novembre 2016. Donc, c'est un modèle qui a déjà près de 5 mois. Mais c'est un modèle super intéressant de par son prix et la qualité de fabrication, ainsi que la qualité de ses photos. Vous verrez ça un peu plus tard. Donc, pour le moment, tout de suite, la boîte. La boîte, c'est une boîte originale parce qu'elle ne s'ouvre pas comme les autres. Voyez plutôt. Voilà. Elle s'ouvre de cette façon, un énorme tiroir. Tiroir dans lequel se trouvait donc le téléphone ici. Vous avez ce nouveau tiroir dans lequel se trouvent deux boîtes. La première, vous avez les documentations et c'est tout. Ainsi que l'outil pour ouvrir le tiroir. On range celle-ci et on sort l'autre boîte. Boîte un peu plus épaisse qui contient ceci. Alors ceci, malheureusement, c'est un chargeur. Alors bien entendu le chargeur, mais voilà le chargeur qu'il vous envoie. Et même avec un adaptateur, rien ne va parce que l'adaptateur n'est pas du tout conçu pour nos prises de courant avec la prise de terre. Voilà. Donc eh bien, vous prenez un chargeur de 2 ampères puisque ce n'est qu'un chargeur de 2 ampères et vous pouvez charger votre téléphone, mais le chargeur et l'adaptateur fourni d'origine ne conviennent pas du tout sur nos prises. Alors cette version premium, elle a quelque chose de particulier, c'est la version globale. Globale parce qu'elle va dans tous les pays, vous pouvez faire le tour du monde avec. Ce téléphone est compatible. Donc tout de suite, le tour du téléphone avant les tests et les benches. Première chose, lorsque vous ouvrez la boîte et que vous avez le téléphone en main, très qualitatif. Même énormément qualitatif par rapport aux autres smartphones chinois que vous avez vu sur la chaîne, en tout cas les marques, on va dire, de premier niveau, les petites marques chinoises. Là, on est quand même sur de l'Honor. Honor, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sous-marque de la marque Huawei. C'est pas facile à dire. La marque Honor est en tout cas beaucoup plus facile à prononcer. Alors, ce téléphone, c'est un téléphone à double face vert, protégé en Corning Gorilla Glass version 3. C'est un smartphone donc fait de métal bleu qui franchement en jette pas mal du tout sous cette couleur. Alors on attaque par la face arrière, un lecteur d'empreintes ultra réactif, ultra rapide. Vous le voyez, le téléphone est ici loqué. Je prends un doigt, un autre, empreinte digitale non reconnue. Le doigt, vous l'effleurez à peine que c'est tout de suite reconnu. Il est ultra rapide, même plus rapide que les Xiaomi qui sont pourtant déjà eux aussi rapides. Et donc, beaucoup de marques chinoises devraient prendre exemple sur ce Honor 8 Premium ou le même Honor 8 Lite qui n'a qu'un seul capteur. Mais il a aussi le lecteur d'empreintes, fonctionne tout aussi bien. Donc, deux caméras à l'arrière. Deux caméras de 12 mégapixels chacune. À côté, vous avez le laser autofocus, le double flash LED. Voilà pour la face arrière. Alors, bien entendu, c'est traité, mais au bout d'un moment, c'est clair, ça marque pas mal les empreintes. Surtout quand vous tenez le téléphone de cette façon, vous cherchez un peu le scanner d'empreintes, vous avez les doigts un peu gras, ça marque beaucoup les empreintes. Mais ça ne se raye pas parce que je l'ai posé, il a été quand même posé sur le bureau. Contrairement au Elephone S7 qui a été marqué tout de suite, lui ne s'est pas marqué une seule fois sur l'arrière. La face avant, une face avant donc pareil, vert, tout intégré, avec des bordures très très fines sur les côtés.
un écran 2,5D bien entendu, une caméra avant de 8 mégapixels, vous avez les capteurs ici, bien entendu le haut-parleur, sur le côté gauche vous avez le tiroir ici, et derrière ce tiroir vous pouvez ajouter une carte SD de 256 gigaoctets. Ce modèle contient 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Donc c'est le modèle le plus haut du Honor 8. Voilà pour l'information. De l'autre côté, vous avez bien entendu les boutons Power, volume plus moins. Rien d'extraordinaire, vous le voyez. Et sur le dessous, rien d'extraordinaire non plus, puisque vous avez la prise jack bien séparée de l'USB type C. Et enfin, micro avec haut-parleur derrière cette petite grille très fine et très bien usinée. Alors ce téléphone est vraiment super qualitatif. C'est digne de la marque Huawei qui veut devenir leader mondial. La marque Honor étant normalement un cran en dessous, là vous avez quand même un téléphone de 5,2 pouces qui est vraiment du haut niveau, même si pour la marque ce n'est pas un flagship, ce n'est qu'un milieu de gamme haut. Alors face à des marques moins reconnues que la marque Honor, vous avez clairement un vrai flagship face à ces petites marques chinoises. Ce n'est en rien comparable aux autres petites marques. Voilà. Alors, eh bien écoutez, moi je vous propose donc tout de suite, on va attaquer les benchs et les tests et on voit ça ensemble. Alors le premier bench, bien entendu vous avez l'habitude, ça va être souvent toutou. Petite précision sur ce téléphone, il est équipé du processeur maison, le processeur Kirin 950. Ce Kirin 950 est un 8 cœurs dont 4 cœurs à 2,3 GHz et enfin 4 cœurs à 1,8 GHz. Donc vous le voyez qu'au minimum, il fonctionne déjà à 1,8. Il est associé au GPU Mali-T 880. Voilà, vous avez toutes les informations. Actuellement, il fonctionne sous Android 6.0 Marshmallow, vous avez l'habitude, et avec la ROM IMUI, donc l'Emotion UI de chez Huawei, donc l'EMUI 4.0.1. Il est prévu un upgrade vers la dernière version de EMUI, version 5, avec une migration en même temps sous Android 7 Nougat. Les mises à jour ne se sont toujours pas faites sur ce modèle, même en forçant via ici, vous avez outils et iCare, vous pouvez forcer la mise à jour sur ce téléphone et pour l'instant, la mise à jour ne s'est toujours pas faite. Bon, donc je l'attends avec impatience et on verra si elle se fera rapidement, mais pour le moment, rien n'est arrivé encore sur ce modèle. Alors, on regarde tout de suite le résultat AnTuTu. Avec 93 531 points. C'est un cran en dessous du nouveau X27 créé par MediaTek, mais on est quand même à un score élevé, très clairement, et ça se ressent sur le téléphone, c'est qu'il fonctionne vraiment à merveille, il est très rapide. Alors, si on regarde le détail, vous avez de la 3D à 19 000 points, la user experience à 35 000 points, le CPU est à 32 000. Et vous voyez qu'il y a très très peu de différence entre le CPU et l'interface utilisateur, la user experience. La RAM, quant à elle, tourne autour des 6300 points. Voilà pour le détail des points. Alors, en termes d'infos, donc vous avez du Honor, c'est le modèle FRD L19. Bon, cherchez pas trop, c'est le modèle avec le code interne. C'est pas très parlant pour nous. Le CPU, c'est donc le Kirin 950 associé au GPU Mali-T 880. Nous sommes en Full HD, les caméras arrière de 11,8 mégapixels. Stockage, vous voyez qu'on a bien 4 Go. En ROM, vous avez 53 à la livraison, donc sur les 64 officiellement annoncés. Donc le modèle du CPU, 8 cœurs. L'affichage Mali-T 880, 480 dpi bien entendu, 5,2 pouces en Full HD, la caméra avant 8 mégapixels. Ensuite, vous avez les fonctionnalités, le NFC qui est disponible dessus, l'accéléromètre
Ensuite, vous avez les vecteurs de rotation pour les jeux, la géométrique, la rotation géométrique, la gravité, le gyroscope non étalonné. Vous avez les capteurs de lumière, l'accéléromètre linéaire. Vous avez les champs magnétiques non étalonnés aussi. Vous avez l'orientation pression non, la proximité, les vecteurs de rotation, les mouvements importants, le compteur de pas et le détecteur de pas, il n'y est pas. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un compteur de pas sans le détecteur de pas. Bon, alors en tout cas, il y a un compteur de pas et effectivement, il affiche les pas. De cette façon, vous les avez ici. Ils sont représentés ici, vous pouvez marcher et ça marchera parfaitement. Donc, qu'il n'y ait pas de détecteur et qu'il y ait un compteur, ça me paraît étonnant, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour le score Antutu. Le multitouch, c'est un 10 points. Alors ce téléphone, il est aux alentours actuellement des 400 euros sur la boutique Gearbest. 400 euros, ce n'est vraiment pas cher par rapport à ce téléphone et la qualité du téléphone. Parce que c'est un téléphone super équipé, qui fait des photos mais vraiment très très belles. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous conseille, pour ceux qui ne me suivent pas, de vous abonner. Vous faites comme vous voulez, mais si vous n'avez pas Instagram, c'est pas grave, hein. Mais j'ai pris des photos avec ce modèle, dont une photo avec le double capteur sur une fleur qui vient tout juste de sortir. Et bien écoutez, même Honor a dit que la photo était très belle, donc bon, voilà, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que la photo est vraiment magnifique, des magnifiques couleurs. Pas de flou bizarre, vraiment des couleurs super bien rendues, d'une netteté exceptionnelle. Excellent traitement après prise photo, donc c'est vraiment du tout bon. Le screen test, vous vous en doutez, c'est un sans faute. Seul petit bémol que j'aimais par rapport à ce téléphone, c'est un 5,2 pouces, mais vous avez constamment la barre Android en bas. Donc vous êtes plutôt sur du 5 pouces que du sur 5,2. Donc vous le voyez, un écran magnifique. Il n'y a vraiment rien à ajouter. Tout ce qui est couleur, colorimétrie, traitement, tout, tout est bon. Très honnêtement, c'est un vrai plaisir à utiliser. J'essaye d'avoir... Voilà, de cette façon, vous les aurez. Les niveaux de gris sont juste aussi... Bon, voilà, ils sont tous là, bien présents, on les voit tous correctement. Les dégradés de couleur. Alors là, la caméra, si ça y est, on va avoir la distinction entre l'orange et le jaune. Pas de défaut très important, j'allais dire très important. Non, pas de défaut du tout. C'est très clair, c'est... voilà, c'est un excellent travail. Bon, quand on connaît la maison qui est derrière, on pourrait malgré tout avoir des soucis sur ce téléphone. Mais écoutez, il n'y en a pas. Alors maintenant, les copies d'écran pour Epic Citadel, Geekbench et les GPS. Et on voit ça ensemble, donc tout de suite. Résultat d'Epic Citadel, nous sommes très haut. 55,6. C'est bien la preuve que le Kirin 950 et le Mali-T 880 ensemble font des petites merveilles et ça fonctionne vraiment, vraiment parfaitement. Ensuite, le résultat de Geekbench V4. On va se mettre dans l'autre sens, ce sera plus lisible pour vous. Alors, vous le voyez, le single core, il a un score élevé. Lorsque nous sommes à peine à 1000, voire un petit peu plus de 1000 sur du X27, là, nous sommes à près de 1700. Donc, un single core qui est élevé au niveau de son scoring. Et un multicore très proche du X27 finalement, avec 4800 points. Donc un processeur vraiment rapide et qui fonctionne très très bien. Le GPU, près de 3000 points. Bon, rien d'extraordinaire. Ça prouve que ça fonctionne bien, ce Mali-T 880. Donc ça fait un bon score, même si on est inférieur à de l'Adreno. Mais malgré tout, là on est quand même sur le haut du panier pour les processeurs graphiques. Alors au niveau du GPS, j'ai lancé le test sur GPS Data en extérieur. Résultat, bon, que rajouter de plus? Pas grand chose. Du coup, je n'ai même pas fait le test sous GPS test pour la simple et bonne raison, lancement, scan ultra rapide et fixé au niveau des satellites en 0 seconde. Donc je ne sais pas trop quoi ajouter.
Hormis le fait que je m'attendais peut-être un petit peu plus de satellites fixés sur l'ensemble, puisque nous sommes à 10 sur 17. Bon, je m'attendais à un score peut-être un peu plus élevé de ce côté-là, mais ça n'a pas été le cas. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter très clairement, hein, c'est voilà. Alors après, j'avais lancé trois démarques avec le graphique global qui se trouve ici. Alors, vous le voyez au niveau des frames par seconde, c'est en orange ici. Regardez bien le nombre de frames par seconde sur ce 3D Mark. Nous atteignons quasiment les 40 frames par seconde, ce qui est franchement exceptionnel parce que généralement on tourne sur les meilleurs processeurs avec le Mali-T 880 à 25-30 frames, rarement plus, et là nous atteignons les 40 frames par seconde. Donc c'est très très honnêtement assez exceptionnel. Ensuite, la température, vous le voyez ici, c'est le graphique en rouge. Elle démarre à, on va dire, 38 degrés, mais elle chute après et elle reprend un degré à la fin. Donc une température très stable pour ce téléphone et surtout pour le CPU, bien entendu. La charge de batterie chute une fois ici et chute à la fin encore une fois. Donc une batterie franchement plutôt stable, qui tient quand même pas mal la distance, donc ça montre que nous avons un processeur Kirin 950 peu énergivore lui aussi en batterie. Voilà. Et bien sûr, bah, la CPU clock, donc l'horloge CPU qui augmente à la fin lors de la forte demande, et vous voyez que là on est à près de 2 GHz. Voilà. Donc ça reste une fréquence encore inférieure au maximum que peut fournir le processeur. Voilà le résultat de ce graphique sous 3D Mark. Donc, si vous voyez bien, on a fait le tour de tous les benchs et de tous les tests. On va passer donc maintenant à la partie multimédia, photo, vidéo, son et lecture d'une vidéo sur cet écran. Continuer par le son, je voulais juste vous faire un petit topo sur les photos. Vous l'avez vu par vous-même, la netteté, la qualité, les couleurs, c'est un sans faute. Alors, côté vidéo, c'est un petit peu saccadé, j'ai trouvé la nuit quand même. La journée, ça va, c'est du sans faute. Pour la faible luminosité, c'est plutôt pas mal pour les photos. Un petit peu à revoir, moi j'ai trouvé pour la vidéo, donc de nuit. Voilà ma conclusion. Maintenant, donc tout de suite, le son habituel. Je mets le son à fond, nous y sommes. Donc vous l'entendez, un son très clair. Et je vais aller vers les basses qui se trouvent par ici.
Voilà pour le son. Alors un son, vous l'avez entendu, je pense, puissant, mais très clair. Et lorsque nous allons vers les basses, il y en a une fois de plus. Ce ne sont pas des basses, ce sont des médiums bas. Mais alors ils sont très très présents, ces médiums bas. Et que vous l'ayez en main, que vous le posiez, le son reste identique. Et c'est un vrai plaisir, le son sur ce téléphone. C'est très très fort, un énorme travail fait par Honor ou Huawei sur ce modèle, très clairement. Alors, vidéo maintenant, avec notre vidéo habituelle, et je vais prendre ce coup-ci les animaux. Donc, voilà la vidéo habituelle lancée sur ce Honor 8 Premium et son écran Full HD 5,2 pouces. Et je pense que vous pouvez le voir tout de suite. Un traitement vraiment, vraiment magnifique des couleurs. Très sincèrement, les petites marques, hein, comme je dis, hein, comme on peut les appeler d'ailleurs, ont du travail pour atteindre ce niveau. Et il serait bien que, ils travaillent pour récupérer leur retard. Alors certains travaillent dessus. Je pense à Yumi qui travaille plutôt pas mal ces derniers temps. Mais les autres ont encore du travail à faire pour atteindre le niveau de luminosité et surtout les couleurs. Vraiment, ce détail des couleurs sur ce téléphone, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu, c'est pas facile, mais voilà. Vous allez voir le serpent. Voilà, vous voyez que l'image est d'une netteté. Et nous sommes que du Full HD 5,2 pouces, donc les autres sont aussi en Full HD. Mais là, très très sincèrement, les couleurs sont vraiment superbes. Voilà, pour la vidéo. Alors les vidéos, j'avais coupé le son, mais même sur les vidéos, le son est vraiment très très bon. Alors pour la simple et bonne raison, c'est qu'il intègre la technologie de décodage sonore DTS. Donc vous avez un son vraiment puissant, très très clair. Ça y fait énormément. Et lorsque vous faites des vidéos, par contre, vous avez un micro de compensation actif qui se trouve ici sur le dessus. Alors, j'en ai pas parlé, mais sur le côté, on a l'impression qu'il y a une télécommande puisque ça ressemble à un port infrarouge. Or, aucune application n'est disponible sur le téléphone pour faire télécommande. C'est à noter, pour ceux que ça intéresserait. Mais non, il n'y a rien dans le téléphone qui pourrait faire office de télécommande. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus ? La réception du signal Wi-Fi est toujours plein pot. Donc, il réceptionne parfaitement le signal Wi-Fi lorsque d'autres perdent quelques petites barres, hein, je parle des petites marques, bon, voilà, ça arrive. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Sa batterie, oui, c'est ta batterie, je ne l'ai pas dit, mais c'est une batterie de 3000 mAh. J'ai oublié, j'avais noté ça sur un petit papier, mais voilà. Et puis, voilà, c'est tout, quoi. Donc, on en a fait le tour. Maintenant, reste le jeu, et je vais lancer le jeu habituel. Le jeu est prêt, nous sommes d'accord pour jouer bien entendu à tout, voilà, et vous allez pouvoir apprécier. Alors un accéléromètre lui aussi, hein, sensible, mais pas trop. Voilà, bon là-dessus, rien d'exceptionnel, parce que même les petits fabricants, maintenant, comme chez Apple, les petits, ont réussi à intégrer des accéléromètres quand même plutôt de bonne qualité. En tout cas, par exemple, sur le dernier Yumi, hein, le Z, vous l'aviez vu, il fonctionne très, très, très bien. Bon, une glissade, hein.
Ce n'est pas bien grave, mais vous voyez le niveau de détail. Franchement, les deux associés, hein, le Malité 880, je le répète, mais ce Kirin, ça fonctionne vraiment, vraiment très, très proprement. Ça fonctionne vraiment super bien. Je déteste employer des superlatifs, mais ce téléphone est au top niveau. Certains l'avaient critiqué de par en fait sa conception à deux dalles vertes. Alors effectivement, ça peut ressembler à du Galaxy S6 ou ce genre de choses, mais franchement, on s'en fiche quoi. C'est à partir du moment où c'est un bon téléphone et que ce n'est pas une copie bête et pas belle d'un autre téléphone, là vous avez un téléphone vraiment, vraiment super bien conçu et vraiment haut de gamme. Voilà, c'est très très clair là-dessus. Donc vous l'avez vu, le jeu tourne parfaitement, les couleurs sont magnifiques, tout y est très bon. Alors les pour, les contre de ce Honor 8 Premium. Mes pour, le scanner d'empreintes ultra rapide. Vous l'avez vu, je l'ai testé devant vous, c'est plus que ultra rapide, c'est instantané, donc c'est du 0,1 seconde, et encore, ça pourrait même être plus si on mesurait réellement. Ensuite, son écran Full HD de 5,2 pouces, avec des magnifiques couleurs, une belle luminosité, une très belle colorimétrie, c'est du tout bon. Sa caméra arrière, double capteur de 12 mégapixels, qui fait des vraies petites merveilles. Je n'ai pas tout montré concernant la caméra, parce que sinon ça m'aurait pris du temps, mais sachez que pour la partie photo, il y a un nombre de paramètres impressionnants, y compris par exemple, si vous avez un trépied, de pouvoir le poser dessus et prendre des photos du ciel étoilé. Et il fait des photos vraiment, vraiment superbes. Voilà, c'est ce que je voulais vous indiquer. Ensuite, sa ROM, pour moi c'est un vrai plaisir, la ROM MUI. Et enfin, deux points, la batterie, bien entendu, 3000 mAh dans un 5,2 pouces, c'est plutôt pas mal. Et surtout, elle tient très très bien la distance. Donc, vous aurez très certainement une recharge à faire si vous jouez pas mal et si vous faites des réseaux sociaux, c'est évident. Mais ça, c'est vrai sur quel que soit le téléphone. Enfin, ce modèle 8 Premium, il a 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Donc vraiment très très bien équipé. Mais contre, en Android 6, la mise à jour a été annoncée. Moi, je l'attends toujours sur ce modèle. Elle n'est pas encore arrivée dessus. Et enfin, je l'ai dit plusieurs fois, mais les boutons qui ne sont pas masquables ici sur les pages, sur l'écran principal, mais ces boutons se masquent automatiquement sur les vidéos, les jeux, les photos que vous pouvez regarder, voilà. Mais bon, vous perdez sur la navigation ici, sur les pages. C'est pas très grave en soi, mais bon, j'aurais été satisfait s'ils étaient masquables. Et finalement, la note finale, la voici, 9 sur 10, c'est du tout bon. Les notes vont de 10 à 8, pas en dessous. Ma plus mauvaise note, je l'ai mis sur le design parce que, bon, vous l'avez compris, c'est un design, j'appelle ça un design passe-partout, qui ressemble à du connu. C'est peut-être un point faible, mais j'ai apprécié la couleur par contre. Donc, c'est un peu le design. Et la meilleure note, c'est sur la finition. La finition est juste parfaite, il n'y a rien à redire. Voilà, j'en ai fini avec ce Honor 8 Premium que je voulais vraiment vous présenter, qui m'a été envoyé donc par la boutique Gearbest. Je l'ai acheté, mais sur la boutique Gearbest, et il m'a été envoyé. J'attends un autre modèle haut de gamme, un Mi 5 S Plus de chez Xiaomi, et il est passé, lui, par colis privé, et je l'attends toujours. Lui, il était passé directement par Colissimo, il est arrivé il y a déjà 8 jours. Donc vous voyez, il est arrivé rapidement. Lorsque l'autre qui est parti en même temps, mais il n'est toujours pas arrivé. Bon, merci colis privé. Ils m'ont l'air sacrément boulet dans cette société pour les livraisons aux clients. Bref, c'est pas le débat. J'en ai terminé donc avec le Honor 8 Premium. Alors, si ce modèle vous a plu, s'il vous impressionne, n'hésitez pas à en faire part sur les commentaires. Et donc, n'hésitez pas au petit pouce. Bien sûr, aux commentaires, je répondrai si j'ai le temps,
parce que ces derniers temps, j'ai été beaucoup pris par mon travail. Donc, qui dit beaucoup pris par son travail, dit peu de temps pour le reste. Voilà, c'est un peu dommage, mais mon taf fait que on m'appelle en pompier pour aider des gens, d'autres collègues. Enfin, comme je l'ai déjà signalé, si vous êtes nouveau, que vous appréciez les vidéos, leur façon d'être présentée, parce que je veux que vous soyez vraiment au plus près du téléphone, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci à vous, merci à tous, déjà aux abonnés présents. Et aux abonnés présents et nouveaux à venir, je tiens à vous dire, faites bien attention à vous pour que l'on continue à se suivre et à dialoguer ensemble sur les commentaires. Sur ce, les amis, je vous dis bye bye, ciao et à la prochaine.